Internotateurs et internotatrices, bienvenue dans l'arène. Ça va tataner, ça va bastonner. Non pas en construisant notre deck, non pas en construisant nos dés, mais en construisant nos héros. Ça va customiser à mort. Ça va customiser du héros. Du héros. Bah, c'est pour ça que le jeu s'appelle Custom Heroes. Impeccable, c'est chez AEG Big in Japan. Mais du coup, Asmodee Partner, ben ouais. Pour le français. Il y a des cartes, il y a des sleeves dans la boîte et celui que ça a surpris, c'est Monsieur Laurent. Salutations Laurent. Bonjour à tous. Les sleeves sont dans la boîte. Oui. T'imagines ? Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Eh ben non. En fait, plaisir, c'est prévu pour. Heureusement, oui, ça fait partie du jeu. Plaisir d'offrir, plaisir du sleeve. Ça arrive à partir de quel moment, Custom Heroes ? Ça arrive semaine prochaine. Octobre. Ouais. Décembre. Voyage dans le temps, Time Traveler. Custom Heroes, il y a toute la boîte. T'as dit qu'on pouvait la jouer en expli-partie, ouais, donc on va rentrer dans le jeu direct. C'est un jeu de plis. C'est un jeu de plis. Nos cartes vont évoluer. C'est un jeu de Monsieur Pas forcément. Dicler. Ils peuvent évoluer. Ils peuvent évoluer. 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. 45 minutes, on va vérifier ça tout de suite. Let's go. Simple. Nous avons un paquet de 10 cartes. Hop là. Avec les héros. Qui vont de 1 à 10. En fait, le visage n'est pas tellement le visage des héros en lui-même n'est pas tellement important parce que là vous voyez que sur vos sur les paravents qu'on a, on retrouve les mêmes. Oui. Ceci étant, c'est vraiment du décorum. Ce qui est important, c'est la valeur de ces cartes. Okay. On part tous avec un paquet de cartes, donc d'accord, de 1 à 10, qu'on va mélanger, on va distribuer 10 cartes à chaque. Ah, tu mélanges. Ah non, on mélange tout. Ah, ah, tu mélanges toutes les cartes. Et on distribue 10 cartes à chaque. D'accord, ok. Eh oui. Donc ça, c'est l'équivalent de coup. Un 10, bas un 8, c'est ça le jeu de plis ? Pas tout à fait. Ah, d'accord. En fait, tu vas poser, et c'est là que ça rejoint, justement, quelqu'un tout à l'heure avait parlé d'une espèce de forme hybride de Mystic Veil et de Gang of Four. Tu vas jouer comme ce jeu-là, donc sur le custom, donc ça c'est la partie Mystic Veil, où tu vas glisser à l'intérieur des cartes des modificateurs, ouais. Mais c'est un jeu de plis où tu vas appeler une forme de plis. C'est-à-dire, je joue une carte, je joue deux cartes, je joue trois cartes, quatre cartes identiques. D'accord. À ce moment-là, les autres doivent okay. jouer la même chose. Une, deux, trois ou quatre cartes okay. identiques de valeur égale ou supérieure. Mmh. Si jamais on joue égale, on saute le tour du joueur d'après. Oui. C'est toujours sympathique. Si on joue au-dessus, bah c'est juste au joueur d'après de jouer et de mettre égal ou au-dessus, toujours en nombre de cartes, jusqu'à ce que tout le monde ait passé et que ça vienne au joueur qui a la meilleure main et qui du coup remporte le pli, et ainsi de suite, okay. jusqu'à ce qu'il épuise toutes les cartes qu'il a en main. Okay. Le premier qui a fini arrête. On a un petit, voilà, on a un petit tableau chacun qui nous dit, donc là on est trois joueurs, le premier qui aura fini le pli, il va remporter 5 points de victoire, c'est les points de victoire. 0 points, donc ça c'est des points bonus qui servent à activer des cartes, donc généralement à mettre des cartes en sleeve pour les activer. Et une carte évolution qui sont les cartes qui sont là qui permettent de faire évoluer les autres, les cartes de base. Oh purée. Donc c'est celles-là qui ont plein de modificateurs, exactement. Des armes, des trucs mûches et que tu des mets bonus, sur ton héros. Des effets ou juste des valeurs très fortes. Je regarde en passant par la fin. Donc là, on lui met un petit Burnie, là, on lui met un petit Charmy, là, on lui met une espèce de baguette magique. Ouais. Voilà, et donc, du coup, ça, on le glisse, on le glisse dedans et on voit apparaître des tas de bonus. Tout à fait. Okay. Donc là, on a dit, le premier, il va remporter ça. Le deuxième, il va remporter ça. Le dernier, il remportera enfin un malus. Bah, il ne faut pas être dernier, hein, toujours, c'est embêtant. Deux d'activation et trois. Oui, donc deux d'activation ça, c'est et trois. Équilibrage. Équilibre externe, évidemment. Équilibrage des joueurs positionnels. Okay. Tout à l'heure, on parlait du fait de customiser une carte. Quand on a customisé une carte, rappelez-vous du fait que vous l'utilisez effectivement au tour où vous la jouez, puisque vous la customisez. C'est-à-dire, vous avez votre main de carte, vous le glissez dedans et hop, vous la jouez. Sauf que elle repartira dans le paquet et elle sera redistribuée après. Ah, quelqu'un d'autre va peut-être le... donc elle reviendra, mais pas forcément pas dans ta main. D'accord, ok. Bah, c'est parti alors. Dernière chose, on a des cartes qui sont... Justement, je cherchais le terme tout à l'heure, c'est les formes élevées. Oui. La forme élevée, c'est une carte où tu vas quelque part sacrifier la carte dans laquelle tu la glisses, qui, elle, tout à coup, devient une espèce de super Saiyan. D'accord. Et elle bat... Tout. Tout, quel que soit le nombre de cartes qui ont été jouées, ta forme élevée bat la série en cours. Okay. Donc si c'est sur 4 cartes, bah, tu joues une forme élevée, tu bats les 4. Tu bats les 4. D'accord, mais tu n'en as qu'une.
Ah bah oui. Et après, elle va dans le paquet. Ah bah oui. C'est un coup. Oui. C'est le coup d'activation. C'est le coup d'utilisation de la formule. Donc, c'est-à-dire pour la mettre ah bah oui. ou pour la jouer. Non, non. Pour la mettre dans le sleeve. Bah, en fait, tu la mets au moment où tu la joues. Donc, Oui, d'accord. Donc, c'est à ce moment-là que voilà. tu payes. Ok. Donc, toi, le Fire Fist, c'est le tien. On s'en fout, c'est tous les mêmes. Oui, c'est tous les mêmes. Ok. Alors. Je crois que le premier joueur est le dernier à avoir mis un déguisement. Donc, Là, c'est le moment où on parle intime. Tu viens plus aux soirées, José. j'ai pas mis de déguisement récemment. On le voit souvent. Ah, d'accord, ouais, ok, non, c'est bon. Donc, on y va, c'est parti. Allez. Ouais, ça pue cette histoire. Le but du jeu, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible de ces cartes. Hein, tout à fait. C'est ça. Allez, je vais démarrer avec un double 9. Ah oui. Oh non. Moi, je passe. Petite précision sur le fait de passer. Là, je passe. Si on avait joué en une carte et que le tour revenait à moi, je pourrais re-rentrer quand dans même. Le pile. D'accord. Bon, là, en l'occurrence, je pense que... On est assez tranquille. C'est bon, je passe aussi. Ça marche. Il fait son malin. Non, pas du tout. Malin. Pas du tout. Pas du tout. Ça se garde pas pour la fin, hein, double 9 ? Si, peut-être. Ouais, fais pas ça. Allez. Simple 2. Ça fait longtemps que tu viens plus aux parties de coinche, toi. Simple 3. Alors, bouge non, pas, Guillaume. T'as le droit ? Oui, tu joues pas, du coup. Ah, tu joues pas. Ah oui, d'accord. C'est drôle. Oui. J'avais pas compris. J'aime assez. Ouais. Ça va aller, les gars, là. Désolé, j'aurais bien continué, mais j'ai pu... Non, mais c'est bien. Ah C'est bon. Bah rien, j'aurais pu faire une formule V, mais je vais attendre un peu. Ah oui, c'est vrai. Surtout que t'as ce qu'il faut pour payer, puisqu'on a un peu quelque chose au début. Bien sûr, c'est fait pour. Ah, regarde-les. Garde-le. Bah tiens. Ok, on va s'amuser. Je passe. Ok. Il te reste 4 cartes ? Non, 5. 5. Faut dire quand il n'en reste qu'une, il faut dire quelque chose. Ouais. Uno. Non, non, c'est plutôt pour que moi je sache si, si j'y vais que maintenant. Je sache si j'interviens ou pas. Mais non, allez, je vous laisse jouer. C'est un peu tôt pour. À un moment, faut s'arrêter quand même. Vous n'avez pas de brelant, hein, on est d'accord. Non. Je passe. Je vais faire ça. Je le mets au-dessus, en dessous, au-dessus. Au-dessus. Ouais. Tu le mets au-dessus et tu payes 2 pour ta forme élevée. C'est ça. Et pan, allez, paye. Ah, tu vois, je me voyais avoir un tour de plus. Quoi. Quel gros bourrin. Donc là, on ne peut plus rien jouer. On ne peut plus rien jouer. D'accord. À toi. Bah oui. Bah oui, du coup. Au perdu pour perdu, moi je laisse passer. Je passe. Moi aussi. Donc, du coup, Laurent, t'es arrivé premier. Donc toi, tu prends 5 points de victoire. Voilà. Comme l'indique ton petit paravent, 5 points de victoire. Et une carte évolution. Oh. Que je tire. 4, 5 et une carte évolution. Les points de victoire sont visibles ? Non, les points de victoire sont cachés. Sérieux ? Et c'est le premier à 10, c'est ça ? C'est le premier à 10. Si tu finis premier, il faut que tu finisses premier avec 10. Oui, c'est ça, faux. Après, puisqu'il a fini, c'est à moi. Ah, d'accord. Oui, c'est à toi. Ah oui, en plus. Je pars sur le fait que tu n'as pas de brelan. Pas de brelan, non. Non, pas toi, Guillaume. T'es pas ce genre-là. Non, c'est une blague. Bah non, bah va falloir la mettre alors si tu veux. Eh bah ils sont rapides à cramer les, à cramer les formes élevées. Voilà, forme élevée, écoute, elle bat toutes les cartes, voilà.
Et puis, bah, du très coup, bien, je finis en deuxième. Je prends, pas de problème. Donc, je prends 2 points de victoire seulement. J'aurais même pu faire ça, tiens, j'avais pas pensé. Je prends 1 point pour payer mes mutations. On peut cumuler. Et j'en prends 2. Après, bon. L'intérêt est là, ouais. c'est de oui, oui. D'avoir après, ça fait tout un tas de modificateurs. Donc, moi, je vais prendre donc, moins 1. Très bien. On peut mettre n'importe laquelle ou pas n'importe laquelle? Parce que je vois qu'il y a des, par exemple, les petits animaux, ça occupe le même slot. Le code, oui. Alors non, justement, tu dois recouvrir des slots différents. D'accord. Donc là, mes petits animaux, je leur mets chacun un petit animal, pas deux. Et là, il y aura peut-être... Et dans le cas du Codora, c'est une forme particulière. Donc le Codora, évidemment, va se glisser dans une carte, mais tu ne vas pas la jouer. Tu ne vas avoir que 9 cartes. Le Codora, tu le poses devant toi et c'est un pari. D'accord. Tu investis 2 points de victoire dessus et à partir de là, chaque round que tu remportes, tu gagnes plus 2. Tu gagnes plus 2. D'accord. Ok. Écoute, j'aurais presque dû le jouer, moi d'ailleurs, parce que je savais que j'allais gagner. Enfin, ah oui, t'aurais presque pu le jouer. Du coup, tu passais à 7. Quoi. Mais c'est au tout départ qu'il faut le mettre. Au début de round. C'est au moment de la phase d'entretien, bien sûr. À quel moment est-ce qu'on a le droit, en dehors du Codora, là, comme tu disais, de crafter nos cartes? En début de round aussi? Non, c'est en cours de. Ah oui, donc avant de jouer une carte, tu peux dire, ah bah tiens, je vais. Le Codora, c'est on regarde notre jeu, on dit, tiens, je mise parce que je sens que je vais. Que je sens que je vais tout péter. Oui, donc en fonction de ta main. D'accord. Ok. Neuf. Hop. Ok. Alors. Ah oui. Oh là 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 là. Est-ce que... Allez, je vous dis, on est là pour apprendre, donc je te le donne. J'ai une laitue dans la main. Je peux mettre une laitue à mon combattant. Bien sûr. D'accord. C'est gratuit, donc je peux la mettre quand je veux. Ça fait un moins 1. Alors, est-ce que, par exemple, 8 moins 1… C'est normal, hein, tu te bats avec une laitue. Se battre avec une laitue, ça… Mais est-ce que 8 moins 1, c'est un 7 et ça peut rentrer dans un doublon de 7? C'est clairement ça. C'est fait pour. Ah oui, donc en fait, ce truc-là, je le mets à l'envers, puisqu'en fait, ce truc-là… J'ai une main toute pourrie. Oh putain, mais ça, c'est bon, ça. Tout va bien? Vous êtes arrangé? Non, pas du tout. Non. Attends, c'est... Codora. Ah oui, mais il faut que je sacrifie une carte. Bah, oui. Ah oui, on sacrifie. D'accord, tu as les deux formes élevées? Non, pas du tout. Enfin, alors là… Non, en bluff, on est pas bien. Hein. C'est... Regarde, ça c'est cool. Ah si, j'aime bien ce jeu-là, c'est rigolo. Venez jouer au poker avec les gigles. Le prochain coup, Akiko. Je distribue. Akiko, elle a maintenant un petit Codora avec elle. Donc, je la mets là, devant mon tableau. Tu les mets dessus. Je mets dessus. Tu les investis. Voilà, et puis... On n'est pas bien, c'est moi qui vous le dis. Je crois que c'est clair. Attends. Bah ouais, non, ça, on va se battre pour les miettes. Ça, c'est pas mal, ça. Oh, moi, je trouve ça fun. Ça coûte rien quand il n'y a rien de marqué, ça coûte rien. Non. C'est cool. Ah oui, attends, mais non, fais pas des conneries, Guillaume, quand même. Ah ben voilà, tiens, ça, c'est pas mal. Ah zut, ça marche pas. Oh, quelle horreur. Donc là, je crafte aussi. Regardez ça. Kumi, donc elle vaut 4, hein, d'accord. Sauf que elle a tellement l'air con avec une feuille de laitue dans la main. Elle fait 3 maintenant. Ouais, c'est trop bon. Et on peut plus lui mettre d'armes. Tu ne peux plus lui mettre d'armes, mais tu peux lui mettre. Donc tu as 4 slots en tout. Tu peux lui mettre jusqu'à 4 évolutions. Ah oui. Excellent. C'est excellent. Donc évidemment, à la fin, ils ressemblent plus à grand chose avec leur gants de boxe, leur chou et leur salade. Ah, c'est très bon. C'est un autre type de jeu. En fait, c'est des leurres, ça. Oui, ça, c'est des leurres. Et oui, donc même en jeu, on a le droit de les jouer, hein. Les évolutions. On n'est pas obligé de toutes faire nos évolutions maintenant. Non, non, non. Qui commence c'est celui qui a gagné. Non, c'est le perdant du round. Donc c'est toi. Du round d'avant. D'ailleurs. On ne va pas le faire comme ça tout de suite. Pareil, autre question. Oui. Nos formes évoluées super balèzes. Oui. Leur numéro continue d'être apparent. Oui. Donc, est-ce qu'ils peuvent quand même intégrer une série en disant bah, « Tiens, je me débarrasse quand même de cartes ?» Oui, tout à fait. D'accord, ok. Ouais, tu gagnes la série et en plus, tu t'es débarrassé. Et en plus, tu t'es débarrassé d'une carte. Donc, effectivement, ça peut être cool.
Eh ben. Ouais, j'y pense. Hein. Allez. 3. Un 3, un 3. 4. 4. Ah. Oh. Ah, ça me fait mal. Ce 7 là? Ouais. Tant pis. Vas-y, Guillaume. Ah oui. Ouais, désolé, Laurent. Ah, bah, c'est... Et voilà. Lavineur rentre sur le terrain. Vous faites bien comme vous voulez. Ouais, là, je pense qu'on va prendre des... Voilà. Roland 3. Voilà, voilà, voilà. Alors voilà, en fait, mon problème, c'était ça. C'est ça aussi. Donc on va le faire comme ça. Ah, ah, ah oui, une évolution débarque. Ah, 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 ah. Fallait bien que ça arrive. Hop. Missao, Brelande 10, bien sûr. Oh la vache. Ah ouais, elle s'est pris une bonne, un bon petit trident à main. Ok. Bon, c'est moi en plus, je m'incline. Alors, je suis pas sûr de vouloir que tu t'inclines. Bon, d'accord, ok, vas-y. Tu joues pas ta forme élevée. Non. Oh, tu as bien raison. Bah, peut-être. Et c'est là, il sort les 5 cartes. Oh merde. Si non. Seulement. Si seulement je pouvais faire ça. Allons à la pêche. D'accord, donc tu as une évolution petit animal, une évolution arme, une évolution environnement, élément. Tiens, 9, c'est mise à eau des glaces. Si, c'est bien. Alors, rejoue donc. Forme élevée. C'est bon? J'hésite à mettre la mienne. Mais vas-y, vas-y. On va la garder pour après. Deux. Ouais, et double. Ah, bon. Allez. Donc, je gagne 2 si je gagne ce round, plus 5. Allez, faites du slip, garçon. Non, non, je peux pas. 1, 2, 3, 4, 5, plus 2. Moi, 6. Ah, il t'en reste pas mal. Non, moi, je vais te... Allez, je te laisse. Ok. Je te laisse y aller. Je récupère ma mise ou pas? Là, tu as gagné, donc tu gagnes 2. En fait, les 2 restent là, tu les as hypothéqués. D'accord, je les ai hypothéqués. Pour toute la vie. Ok. Et maintenant, tu récupères 2. D'accord. 1, 2, 3. Ah oui, ça, c'est bien joué. On démarre avec combien de points de victoire au début? Un seul, hein? Un seul. 1 et 2, c'est ça. C'est pour ça qu'au début, tu peux pas jouer de Codora. Ouais. Ah. Et je prends une carte évolution. J'avais oublié ce petit détail. C'est bon ça. Mais c'est très bon aussi ça. T'en as joué 2. Donc moi je vais le faire comme ça. Je vais espérer. Le jeu est simple et facile à mettre en place. Ça passe. Puis à ranger, t'as plus qu'à enlever tous les trucs que t'as mis dans le jeu. Je paye 1 et je joue 1 Michio. Donc il fait 11 et je gagne 1 si je remporte le pli. Oh la vache! Il a les spectres avec lui. J'espère. Allez, moi aussi je vais. Tant pis! J'ai bien fait de la garder. 14! Oh la vache! Donc. Il a quoi? C'est quoi qui lui donne son rien, 14? C'est les petites ombres là. Ouais. Le brouillard. Et donc du coup, je paye 2 pour la forme élevée. Okay. Donc c'est bon, je suis dernier, c'est ça? T'as pu? Non, j'ai tout cramé. J'ai fait dépenser aussi. C'est ça. Alors, je te donne donc 2. Plus 1 parce que plus j'ai. Plus 1. Voilà. Et puis 2 cartes comme ça, c'est ça? Et puis 1 de plus. Non, mais il ne veut pas me les donner. Pourquoi 1 de plus? Parce que j'ai gagné mon spectre. C'est vrai. Et puis du coup, tu perds un point de victoire. Je te donne 2 comme ça, et 3 comme ça. C'est bien. Et 3. Merci. Ok. Alors lui. Ah, donc. Ah oui, mais alors, moi je ne prends que 9 cartes parce que celle-là est là.
Ah bah oui. D'accord. Ah oui, merde. Ah oui, je l'ai peut-être joué un peu tôt, du coup. S'il perd un round, tu les perds ou pas, du coup? Non. Bah, en fait, là, je les ai payés pour celui-là. Et du coup, en fait, autant la jouer tous les tours, en fait. Il n'y a pas de risque. Bah, de toute façon, tu mises deux et... Tu les perds pas si tu gagnes pas. Je pense que tu les perds, non? Si tu gagnes pas, c'est-à-dire? Elle est mise devant et puis c'est tout. Elle revient pas en jeu, là. Non, non, ça, c'est deux points qu'il n'aura plus jamais. Qu'il a... Il faut que j'en gagne au moins. Ouais, d'accord, oui, tu les as brûlés pour le Codora. C'est ça. Donc, par contre, ce que je cherche, c'est lui. Ça retarde ta victoire quand même. Comment? Ça retarde la victoire. C'est quand même pas. C'est pas très bien ça. Tu voulais couper, distribuer? Non, non, t'as confiance? Super. Deux. C'est bien parce que tu sens que tu distribues des cartes et il y en a qui sont plus épaisses que d'autres. Ah, tiens, dis. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, ça, je peux pas, 10 cher, et 9, hein. Puisque j'en ai que 9. J'ai un jeu très épais. Ouais. Même pas. Ah, c'est bon. Alors, c'est sympa. Ah, parce c'est que tu bon donné... de savoir ce que tu récupères. Alors, ah, dur. Ah, oh, si, c'est pas trop. C'est pas trop mal. Voyons la vache. Donc, vas-y, Laurent. Qu'il avait perdu. Ah oui, c'est vrai. Oh punaise. C'est flippant hein, quand même. Oh, il y a du bon bourrin là-dedans, là. Un double 3. Double 3. Ok. Double 7. Double 8 quand même. Hein. Double 9. Ok. Double 10. Excusez-moi un petit moment. Double 12. Oh là. Ah les bons gros bourrins. Alors elle a un gros punch et elle a un pistolet un dans la main. Ah c'est naze. Oui. Vous avez payé, hein? Ah oui, c'était gratuit, mais ça va. Les escrocs. Double 12, là, quand double même. Double 12. Hein. Aïe, 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 j'aime pas ce que tu fais. Ouais, j'aime pas non plus. Double 13. Non, mais. Si. Non, c'est l'inverse. Oui. Ah oui, mais parce que là, il y a 15, là. Hop. Les mecs, ils trafiquent les cartes pendant le jeu, mais c'est ça, non, en fait. C'est bon. Un gros coup de poing et un coup d'épée. Ah oui, bah oui, hein. Ça fait 13, et l'épée à plus 5, ça fait 13 aussi. Punaise, double 13. Oh, purée, 4 cartes. T'en as un petit peu plus que ça? J'en ai 6. Ça pue, cette histoire pue. Ouais, je suis d'accord. Je laisse. T'as bien raison. Alors, si je joue une forme évoluée et que tu joues une forme évoluée, c'est celui qui joue en dernier qui a gagné. Oui, bien sûr. Bah, oui. Ouais. C'est comme les cartes. Ouais. Tu fais beaucoup de cartes. C'est celui qui joue en dernier qui a raison. Toujours. Les formes évoluées, il y en a 3. Hein. Et on vient d'en voir passer une. Les formes élevées? Les formes élevées. Il y en avait 3. Et une par joueur. Passer hein, tu veux. Oh non, il se bat à main nue et regarde-le. Bon, c'est Spector bien. 14, c'est mieux. Ouf. C'est moi qui ai mis, mais je l'ai pas récupéré. Elle est pas revenue. Tu la laisses à 14? Ah, je la laisse à 14, oui. Vas-y, Guillaume. Tu ne l'auras pas. Hein. Si vraiment c'est tu te poses la question, tu ne l'auras pas. Je t'en prie. T'en as plus qu'une là. Oui, mais j'ai celle-là. Tu bluffes. Alors, non. C'est qui Camille 14? Je suis nul en bluff, Guillaume. Là, tu l'as, donc on s'en fout. Eh ben ouais. Mais au moins, tu gagneras pas le pli avec le spectre qui fait un point.
quand même t'empêcher d'avoir un point. Ma petite fierté à moi. Ah merde. Je pense qu'on ne l'aura pas celle-là. Il va la prendre. Merde. Non mais je t'en laisse une quand même. Oh, tu pouvais lui faire dépenser. Hein. C'est ça. J'hésitais. Je... Peut-être que je bluffe. Putain, alors si c'est ça, merde. T'en as plus qu'une aussi ? Ah oh, putain, mais là je me fais gnoquer là. La joue pas. Finis pas le jeu. Je passe. Ah bah c'est fou. Moi je peux pas jouer, monsieur. M'en fous, j'ai fini. Ah merde, la fiche. Merde. Okay. T'as plus qu'une carte. Ouais, donc il faut que je paye. Je paye un. Je vais jouer un Michio avec un petit bunny qui compte comme deux exemplaires d'elle-même, donc c'est un double. Ah oui, c'est d'accord. Ah, c'est méchant ça. Bon, ça si, passe. Si, c'est bien. C'est ça. Boom. Ah oui. Hein. La dernière à 3. Et 5. Ouf. J'en pioche. Donc je fais quand même 2 points de victoire, ça c'est cool. Je fais encore moins 1. Un point ici. On va être fait 2 tours, je n'ai pas eu de forme évoluée. Quoi. C'est vrai. Il me faut 2 petits trucs comme ça. 2 petits tokens, ouais. Tiens. Punaise, j'y crois pas. Bah si, non. Je chope pas de. Tu gagnes pas là, on est d'accord, hein ? Non, toujours pas. Non, dès que t'as 10, tu l'annonces. Ah bah j'ai 10. D'accord, donc si oui. Tu gagnes. La partie. Je gagne. Si tu gagnes cette partie, t'as gagné. Ok. On va peut-être mélanger un peu. Non, parce que c'est quand même bien. T'as pas annoncé 10. Non, bah je les ai pas. J'aurais menti. C'est ça. Je crois que le 14, il est passé. Une question de... Il y a des cartes qui commencent à être très épaisses. Tu m'en donnes que 9. Hein. Tac, tout à fait. Aïe. Ah, tu vois sortir des mains, tu fais « Ah, j'ai quand même des gros bourrins, là !» Ah zut, j'avais pas vu. Ah non. Oh là. Arrêtez de mettre des modificateurs, hein. je m'y retrouve plus, moi. Aïe. Ça, c'est bien. Ça, ça va être chaud. Oh là là. Et il y en a qui sont vraiment des cartes de merde, après. Hein. Oh là 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 là. Ça va être très, très chaud. La suivante, je distribuerai, je pense. Hein. C'est à moi encore. Puisque j'ai terminé dernier. Ouais, vas-y. Double 5. Je passe. Eh bien, malheureusement, moi aussi. C'est vrai ? Oh. Ah ouais. Bon. Ouais, on va pas les abattre tout de suite. C'est ça. Bien. Ok. Ah, tu fais le tour malin dans l'arène. On fait, ouais, vas-y, danse. Ok, bah on te regarde. Ah, c'est ça que tu vois, toi. Ouais, non, je voyais bien tout seul dans l'arène de Golden Tile, là, et hop là. Mais non, mais arrête, Laurent, qu'est-ce que tu fais ? Double 7. Bah oui, du coup, t'as tout intérêt. Hein. Tu me saoules. Ah, bah des triplés, des quadruplés, c'est bien. Mais... Lequel est le plus patient ? Non, t'as raison, Guillaume. Ouais, je craque. Vas-y. Ah oui, j'aime pas quand tu fais ça. Le cyborg avec son gros gant de boxe, vous savez, là, tout à l'heure. Ouais, il est revenu. Ouais. Bah, il compte comme 2 exemplaires, ça fait un double 12. Un double 12. Ouais.
À elle toute seule. Ouais, ça marche. T'as un double 13? Non, 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 je réfléchis. À mettre mon double 14. Je serais dégoûté. Le mec, là c'est genre... Le premier qui sort la forme évoluée, toutes les autres dégâts. C'est bon. Paf. Alors, ça, ça compte comme un double 1. Oh, quel casse-pied. Non, j'en prends beaucoup de cartes en main, t'inquiète. Je passe. Ouais, je passe aussi. Je suis un peu burni, hein. Ouais, tête brûlée. Tu passes. Ok. Ouais. Vous avez pas envie de jouer, bon. Là. Si, tiens, regarde. 3. Ah. Tu veux un coup de salade dans la gueule. Tu veux un coup de frisée. Non, ah, mais non, pas frisée, parce que ça, c'est une laitue. C'est plus sympa. Tu veux un coup de laitue? Non, c'est plus sympa. Laitue ou laitue pas? Mais c'est ça. Bah oui, 10. Allez. 10? Ah bah tiens, tu joues pas. À toi. Oh, pas très amis. Wow, oh, la brutasse. Je passe. Moi aussi. C'est toi, Laurent. C'est pas bien, là. Ça se passe pas comme je voudrais non c'est plus. Pas bien, c'est pas bien trop. Oup, il est en train c'est de customiser ses bien. Cartes. Oup, les... Je mets Laurent, une petite batte de baseball à mon petit robot. Les gladiateurs rentrent dans l'arène. Est-ce que c'est vraiment... Je tente le home run triple 9. Wow. Ah, t'as plus qu'une carte. Oui. Oh, le sagouin. Je passe. Moi aussi. Ouais, bah... Tu veux jouer là-dessus? Non. Je vais te laisser jouer. Nous, on te respecte. Hein. Mais c'est ça, tout à fait. Alors, c'est ça. On va se battre pour la deuxième place. Donc, ça, déjà, je peux pas gagner. Paf. Non, c'était le but. D'accord. Il va me dire d'accord à toutes les cartes que je vais jouer. D'accord. 13. Oh putain. Là, je suis bien embêté, n'empêche. Est-ce que tu je passe. Je rejoue, mais je passe parce que du coup, je peux pas. J'ai pas au-dessus. Oui, mais c'est à moi. Bah ouais. J'en Allez, ai vu qu'un. Laisse filer. J'en ai vu qu'un. Il est possible que j'en ai encore en main. Bah oui. Oui, je suis obligé du coup. C'est bon. Alors. Ouh, salope. Ça fait mal. Par. Les tripes, d'accord. Ça fait quand même. Ah, les tripes, ça fait du bien hein, quand même. 12. Bon, bah 11 alors. Attends, regarde. Je vais payer 1. Ouais. Pour activer. On sait jamais. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Bah, c'est tout, vas-y. Hein. Moi, j'en perds. Donc, hein. Ça fait. Et merde. Je crois. Il en manque 3 points de victoire. Et je prends une petite carte. Hop. Donc, moi, j'en ai perdu 1. Je prends 2 activations. Et j'en récupère. Et 2. Je pense qu'on est très proche de la fin de la partie. Oui, je pense. T'as combien là de points de victoire? J'en ai plus que 10. Ouais. Ah oui. Que moi, non. Pas toi? Non. Même non, si t'en gagnes 5? J'ai perdu 2 fois 2. Oui, mais si t'en gagnes 5, ça te fait combien? 2 fois 1. Je suis pas à 10. Ah ouais, donc ouais, ça peut jouer à ce tour-là entre nous deux. Ok. Et ben bah, du coup, tiens Laurent, on va te laisser distribuer comme ça au moins. Et pour, information, oui. Là, il est indiqué que le dernier, il prend moins 1. Oui. En fait, ce n'est pas tout à fait moins 1, parce qu'on est capé à 10.
peu importe le nombre de points de victoire, on a 10 points de victoire. Donc si tu prends moins 1, tu reviens à 9 automatiquement. C'est d'accord. Pas tout à fait un moins 1. Ah oui, un... si tu as 15, tu n'as pas 15 en vrai. Tu reviens à 9. Donc là, si donc, on te fait perdre la partie, par exemple, tu reviendras à 9. C'est ça. D'accord. Oui, puisque tu... Bah, de toute façon, oui, sinon, ça, de... sinon ouais, ça n'a pas de... Vous gagnez si vous finissez 1 avec 10 ou plus. Oui, oui. Quand tu es à 9 et que tu gagnes, ça fait 9 plus 5, 14 et tu as gagné, quoi. Non, parce que tu dois gagner en ayant 10 points. Donc, ça relance automatiquement deux parties. Enfin, ou ah, d'accord. Moins, puisque ça dépend de l'autre. Quand tu es à 9, là, moi, je suis à 9. 9, ça ne suffit pas pour gagner. Même si je prends le plus 5 au tour d'après. Ah oui. Tu seras à plus. Il faut finir premier en ayant 10. C'est ça. Il faut avoir 10 donc, points. Toi, il faut que tu finisses. Si moi, toi, tu finis, maintenant. Tu as gagné. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, ça va dépendre. Il faut que là, c'est... Ça va dépendre de Laurent, c'est ça, en fait. C'est ça. Mais non, qu'est-ce, pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait t'as encore fait n'importe quoi, là. J'ai l'impression. C'est la première fois que je fais n'importe quoi. Non, peut-être que ça va. Finalement. Je me suis peut-être un peu à attendre parce qu'en plus, j'en ai quelques-unes. Moi, je peux peut-être faire des saletés. Je pense que je vais en faire aussi. Ça c'est là, ça c'est là. Il y en a partout. Ça c'est très très bien. C'est toi Guillaume, hein, je crois. Oui, c'est moi qui ai perdu. Ok, ça je peux le faire, c'est cool. Ça, je peux le faire, c'est cool. Attends, mais oui, et ça, ça peut être... Ouais, mais non. Ah, mais si. Mais si, mais si. Eh bien, tu sais quoi? Tu payes 1 pour le mettre. Oui. Parce qu'il y a un coût, hein. C'est ça? Et après, si tu l'as, tu payes 1 pour l'activer. Ah oui, donc... Oui, mais là, je l'ai... Non, non, là, c'est... Là, c'est tu l'actives. C'est d'accord. Quand on l'aura, ouais. Tu la mets et tu l'actives. C'est ça. Je la mets et je l'active. Et c'est un triple 12. Ah oui. Triple 12. Oh, c'est compliqué. Hein. Alors, attends. Ah non. Non, alors, c'est pas impossible quand même. Non. José, non. Non, non, bien sûr que non. On est d'accord. Ok, je gagne ça. 1 si je gagne ce pli. Alors du coup, José, je te pose la question. Oui, 10. En gagnant 1, je suis à 10 maintenant. Oui. Donc si je gagne, c'est bon. Bien sûr. On fait avoir 10. Alors là, je suis tout seul de. Voilà. Ok. Alors là, on va commencer un peu à causer. C'est alors, je gagne ou. Ou je perds. La partie est finie. Double 3. Je passe. Ah, ça, ça peut se jouer. Sur un double 3, un double 5. Sur un malentendu. Ça pourrait marcher. Je vais armer d'un point mon Kichiro. J'aime pas trop. Qui n'était pas armé jusque-là. Et ça fait double 9. Combien de tresses de cartes ? 3. Oh là 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 là, j'aime pas du tout. Ouais, j'aime pas non plus. Double 9, tu as mis. Mmh. Laurent, double 9, tu as mis double 9. Ouais, on va la... Double 9 aussi. Ah, je passe. Ça, c'est intéressant. Bah, oui, t'as pas le choix. En fait. C'est ça. Je passe. Il est mignon. Oh, bah, j'ai pas envie de jouer. Bah non, c'est. Alors. Oh, je suis obligé de te le dire. C'est con, parce que j'ai pas envie de le jouer. Il y a un Edge, c'est un petit animal de compagnie. J'ai rien dit. Non, non, la règle est très bonne. Ok. Parce que c'est marqué jouer cette carte comme un joker. Et du coup, tu pourrais la mettre à une forme évoluée et dire ah bah ça y est, j'ai deux formes évoluées. Mais en fait, ça bat une forme évoluée. Ouais. Ah oui, bah si, ça marche donc. Mais non, vaut mieux jouer sur autre chose. Sur autre chose pour la jouer avec une forme évoluée. Double 13. Oula. Bah, j'ai dû lui mettre un moins 1 quand même. Ça m'a fait mal. Hein. double 13. Ah, c'est bon pour moi. Voilà. Non, 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 pas pour moi. Ah, pardon. Il y a de la litue. Double forme évoluée. Ouf. Sérieux ? Mmh.
Oh, punaise. Foiré de... Allez, vas-y. Vas-y, montre-moi. Alors... Oh, que je le déteste. C'est pas vrai, en plus. Non, pas du tout. Mais non, José, tu sais bien que je t'aime. T'as plus qu'une carte ? Oh, on va bien se marrer, alors. Triple 7. Laurent, Laurent, là, c'est le moment où tu me laisses gagner. Ah, rappelle-toi. Attends, attends. Je peux essayer quelque chose. Ouais, bon, bah oui, bah du coup. Je compte sur toi, hein, quand même. Tu me joues des doubles, hein, faut pas qu'il... Triple 10. Ah non, pas une double version d'elle-même, petit saligo. Je l'avais pas vu, zut. Petit saligo, ah, non. Bah, c'est rien. C'est... Non. En triple version, ça n'existe pas. J'ai raté une forme qui était évoluée, j'ai pas fait attention. Zut. C'est triple 7, hein. Ouais, triple 7. Alors, attends, est-ce que... Je vais pas pouvoir... triple 7, j'enlève ça donc. Triple 7. Eh ben non, je vais être obligé de laisser. Je vais être obligé de laisser. Tu vas laisser courir ça. Bah j'ai pas le choix. Bon bah allez hein. Je regarde. Pas le choix, ouais. Allez, triple 7. José, ton destin est entre tes mains. Tu vas jouer un double là ? Double 1. Oh. Tiens, attends, faut que je paye. Aïe, aïe, aïe. Il arrête pas de faire des saletés, Laurent. Ouais, ouais, il met des cartes dans des cartes et tout, ça sent pas bon. Non, ça fait moins 1. Mais non, Laurent, laisse. Sinon, ça veut dire. Ah bah, je pensais là, oui, c'est bon. Je crois qu'il a un double... Oui, je pense, oui. Je m'attendais qu'à un double 1, je me suis dit, bon, il tiendra pas longtemps. On est 8. Ben, elle est pour toi. Je peux pas. Non. C'est là où faut... Faut y aller, hein, de toute façon, j'ai pas le choix si je veux survivre. Ouais. Non, ça fait... Non, j'ai toujours le moins 1. Ah, ça va être t'as peur de savoir ce qui rentre dans l'arène, tu sais, tu fais... Ça va être tendu. Laurent, il triche. Je crois. Ah oui, je veux faire ça. Oh, il... En fait, c'est encore pire. Il peut jouer. L'entendeur, je peux faire ça. Ça. Double 9. Ah, salut. Ah, ça, c'est très drôle. Celle-là, elle est bonne. C'est-à-dire qu'elle a un super point qui lui fait quand même un plus 3. Mais bon, mais se battre avec un espèce poisson. De poisson pourri, ça fait quand même moins 4. Donc ça fait moins 1 et ça fait bien un double 9. Non, je crois que c'est Laurent. C'est il pas va, pour moi. Il va nous faire un doublé sur la une paire. Mais non, je ne peux pas. Ah, c'est dommage. C'est là qu'on rigole. Et oui. Vas-y, vas-y, Laurent. 10. Eh bien, 6 et 5 qui font 11. Yes. Avec ton spectre. Eh ben non, il passe pas. J'en avais 10. Tu peux pas jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. C'est bon, je l'ai got, t'as le Custom Heroes. Bien joué. Et en fait, j'avais le... Je croyais avoir... Injuste. Hein ? Non, c'est injuste. Non, non, attends, tu me sors la double forme évoluée, injuste, tu sais qui va lui... Voilà de quoi customiser vos héros réellement, puisqu'on finit avec des gros boucliers dans la main, avec des laitues de l'autre côté, oui. Et bien évidemment, des poissons pourris. Oui, celle-là, elle est très très bonne. Et des fulguros points. Ah ben, enfin, fulguros poissons pourris. Ouais, c'est... Non, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Des ceux-là même qui ont sorti le Mystic Veil avec le card crafting et le transparent, la transparence dans les cartes, c'est la même chose pour Custom Heroes. Un jeu qui nous arrive grâce à Asmodee Partners, donc de John DeClaire chez Caravan Studio pour les illustrations. On peut y jouer jusqu'à 6, peut-être qu'à 6 c'est un peu plus long, il faut déjà bien connaître le jeu. Alors, à 6, ça part dans tous les sens. Oh là là, ça c'est la boîte internationale, bien sûr, mais c'est marqué Custom Heroes, vous avez vu, j'avais la boîte dans les mains, directement ici. Voilà, vous cherchez, c'est voilà, celle-là. Celle-là, puf, pouf, en français, directement. Boum. Merci beaucoup, José. Avec plaisir. Laurent, merci d'avoir joué cette dernière carte. Merci. Sinon, je crois que je t'en aurais voulu. Comme quoi, dans l'arène, il n'y a pas que ceux qui savent utiliser leurs mains. Non, pas du tout. Rien à voir. Sûr. Victory.